la géomatique, c'est la contraction à géographie informatique. Donc c'est finalement tout ce qui est données géoréférencées. Tout ce qui va nous permettre d'abord de travailler sur les données, de les analyser, de les croiser et de les restituer ensuite sous la forme cartographique et géoréférencée. Alors, l'IAU dispose d'une grande quantité de données géographiques qui sont généralement géoréférencées. Elles nous servent à réaliser des études, des analyses, des croisements, des cartes. Mais c'est vrai que notre objectif n'est pas tant d'avoir une très grande quantité de données, mais d'avoir de la donnée de qualité, qui soit fiable et pertinente et qui soit adaptée à toutes nos échelles de travail. La 3D est un très bon outil pédagogique qui permet de visualiser immédiatement un projet urbain, de sensibiliser sur un impact environnemental sur un territoire et de communiquer également sur un projet. Pour les politiques, pour les décideurs, pour les acteurs, c'est un très bon outil de communication. Et il existe en plus aujourd'hui un certain nombre de composants en géodesign qui permet de voir immédiatement sur un projet, par exemple d'un bâtiment, si on l'élève d'un étage ou deux, quelles seraient les consommations d'eau ou d'énergie ou le nombre de logements. À l'IAU, on dispose d'un outil qui nous permet de voir ce qui se passe au niveau du sol, de l'occupation du sol, c'est le MOS. Si on pouvait à terme le coupler avec un certain nombre d'informations en 3D, ça nous permettrait vraiment de rendre compte de la densité ou de l'étalement. Et dans ce cas-là, cet outil prendrait une autre dimension. La 3D, c'est un outil parmi d'autres pour montrer, pour voir un projet. Il ne se suffit pas à lui seul. C'est un outil complémentaire à un plan 2D, à une étude, à un discours. Mais ne nous leurrons pas, tout ne va pas devenir effectivement numérique et les simulations 3D ne répondent pas à toutes les questions. Par contre, ce qui a évolué, c'est que c'est devenu davantage un outil d'expert. Et ça devient vraiment un outil pour co-construire un projet, justement, pour pouvoir faire en sorte que le citoyen puisse davantage être en immersion dans le projet d'urbanisme et pouvoir voir vraiment concrètement comment ce projet va s'intégrer dans son quotidien.